Cendrieux, gros bourg de 800 âmes, à égale distance de Périgueux, Bergerac et Sarlat, n'échappait pas à la pauvreté. La grogne puis la colère de toute une population, au ventre vide, allait conduire le pays vers la révolution. Conscient de la misère qui règne et de la colère qui gronde parmi le peuple, notre souverain va faire appel aux États généraux. Mais regarde, c'est quoi les États généraux? Nous allons élire des députés et chaque paroisse va rédiger son cahier de doléances pour que chacun exprime ce qui ne marche pas dans notre pays. Ce qui ne marche pas, ils n'ont qu'à venir faire un tour dans nos campagnes. Exactement. Ils verront qu'on crève de faim, de maladie, que la misère est partout. Voici ce que le roi a écrit. Mes chers sujets. Tu parles, mes chers sujets. Le roi, il s'en fout dans son palais avec sa cour autour de lui. Silence. Nous allons procéder à la rédaction des cahiers de doléances. Et ensuite seront désignés les députés auprès des autorités de Périgueux. Finalement, chacun revendiquait sans trop savoir que revendiquer. Alors que les pauvres ne seraient pas en peine pour remplir le cahier de doléances. Leur colère était grande et elle explosait dans le cabaret de Chantal où quelques-uns s'étaient réunis. Ça, je ne comprendrai jamais pourquoi chacun de nous n'a pas le droit de vote. Ça suffit! Il est temps de leur faire comprendre que sans nous, le pays ne serait rien. Et que comptes-tu faire, Renaud? Prendre les armes. J'ai un plan. Nous aurons besoin de mon ami Jean Lestang. Messieurs et gentes dames, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Je suis Périgueux. Il se passe quelque chose là-bas à Paris. C'est la révolution. Que les familles dont les noms suivent doivent s'acquitter dès aujourd'hui. Je répète. Les personnes qui paieront leur rente seront pendues haut et court. Les personnes qui paieront leur rente seront pendues haut et court. Ça va comme ça? Ils ont aboli les privilèges de la noblesse à Paris le 4 août dernier. Ah, c'est une très bonne chose. C'était là une criante injustice que subissait le peuple. Une chose est bien, c'est cette déclaration des droits de l'homme voulue par le gouvernement. Quoi, les droits de l'homme? Il est bien normal que certaines classes aient quelques pouvoirs supplémentaires. Étant donné la situation d'insécurité qui règne dans le pays, des milices seront élues dans toutes les paroisses. Le chef de la milice de Cendrieux sera élu à main levée à la majorité, ainsi que les officiers qui seront sous ses ordres. Eh bien, c'est pas trop tôt, ça pouvait plus durer. Alors, y a-t-il un candidat dans l'Assemblée? Il me faut un homme fort, honnête et ayant le sens de la discipline. Mon ami de Salagnac, il n'y a que vous qui puissiez être candidat comme chef de la milice de Cendrieux. Bravo. Je suis candidat. Ouais. Qui veut faire partie de la milice? Moi, je veux bien. Ceux qui ont levé la main se mettent à côté de monsieur de Seria. Je veux bien être chef de milice, mais pour être digne de ce nom, je ne veux pas de cette bande des hommes sans expérience militaire. Moi, je me porte volontaire pour être chef de la milice de Cendrieux. Le sieur Chantal Louis, cabaretier à Cendrieux, a été élu chef de la milice. Mais enfin, vous n'allez pas faire ça. Laissez ce Chantal, cabaretier et grande gouaille être chef de milice. Bon, j'acquiesce. Et garde, veux-tu trinquer avec nous? Avec plaisir. Mais je porte un pli de la municipalité. Nous, Marcillo de Crespia. La municipalité de Cendrieux.
et notre curé Gros Bras, refusons de recevoir le serment de la dite troupe de Chantal Louis pour cause de désordre public. Marcillo, tu as refusé de recevoir le serment du chef de la milice de Saint-Brieuc. Mon drapeau sera béni selon la loi. Si vous voulez m'affronter, prenez vos armes. Les hommes ne savent pas ce qu'ils font. Ils ont trouvé à Chantal le moyen d'exprimer leur colère. Il faut absolument les ramener à vous, sieur de Sénayac. Allez, Gros Bras, commence ta bénédiction. J'ai été réélu. Non. À la majorité. Non. Tais-toi. La milice de cette paroisse. Tu nous le paieras, de Sénayac. Tu seras coupé. Il est écrit qu'il est organisé dans chaque département une fête de la fédération. Cette fête sera célébrée à Périgueux le 29 juin prochain. Vous ne pouvez pas être deux chefs de milice. Comment ça, deux chefs de milice? Moi seul été désigné unanimement par la population. Chef de la milice je suis, chef de la milice je reste. Portez plainte devant les autorités contre cette bande d'excités se prétendant milice nationale. Ils partiront à pied, à cheval. Le cavalier arrivera avant eux. Et lorsque nous serons nous-mêmes là-bas, les autorités auront déjà été saisies de notre plainte. Bien. Maître Lafaille, écrivez. Louis, prends garde à toi. Sois prudent. Tu sais qu'ici, beaucoup souhaiteraient te voir au cachot. Sois sans crainte. Ah, les amis, je suis fier de vous. Ça, c'est une vraie milice. Nous allons faire impression à Périgueux. Je dois vous recommander de ne faire aucun écart de conduite. Pas de bruit, pas de cri, pas de désordre. J'avais recommandé de ne pas utiliser les fusils. Ça peut nous attirer des ennuis. Le coup est parti tout seul. Bon, tous ceux qui ont les fusils, vous les désarmez. En qualité de commissaire du roi, moi, comte de la Roque, je dois en premier lieu prononcer ce discours, faire le serment et le recevoir. Ils ont bien dit qu'il fallait continuer à payer nos rentes. J'ai entendu que de Sénayac faisait un rapport sur toi et ta milice. Et qu'est-ce qu'il nous reproche? Il paraît qu'il y a du désordre à Saint-Brieuc. Que vous auriez brûlé les chaises de l'église et que vous auriez tiré des coups de fusil dans le vallon de nature. Si vous allez en prison, j'irai aussi. Et nous aussi. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Bon allez, bonne nuit mes braves. Au nom du roi, ouvrez! Au nom de la loi, Louis Chantal, nous t'arrêtons. Et pour quel motif? Pour désordre dans ta paroisse et pour les tirs dans le vallon de la Tulle. Allez, au cachot! Mais écoutez-moi au moins! Écoutez-moi! Si c'était à refaire, je referais les mêmes actes. Je sollicite, monsieur le juge, votre indulgence et que le dit lestant en soit exonéré. Louis Chantal était accusé de tous les griefs. Les parties civiles, sans complaisance aucune, demandaient réparation de la totalité des forfaits commis. Louis Chantal est une bonne âme qui ne mérite pas une peine supplémentaire aux 9 mois de prison qu'il a effectuée à Périgueux. Ces notables de Saint-Brieuc ont été profondément choqués et outragés par l'audace de Chantal. Nous allons délibérer. Silence! Voici le verdict. Attendu que dans cette affaire,